élevons nos pensées vers Dieu. Et demandons le concours des bons esprits, afin que ce moment soit profitable à tous. Bien et mal souffrir. Quand Christ a dit « Bienheureux les affligés, le royaume des cieux est à eux », il n'entendait pas ceux qui souffrent en général, car tous ceux qui sont ici-bas souffrent, qu'ils soient sur le trône ou sur la paille. Mais hélas, peu souffrent bien, peu comprennent que ce sont les épreuves bien endurées qui seules peuvent les conduire au royaume de Dieu. Le découragement est une faute. Dieu vous refuse des consolations parce que vous manquez de courage. La prière est un soutien pour l'âme, mais elle ne suffit pas. Il faut qu'elle soit appuyée sur une foi vive en la bonté de Dieu. Il vous a souvent été dit qu'il n'envoyait pas un lourd fardeau sur des épaules faibles. Mais le fardeau est proportionné aux forces, comme la récompense sera proportionnée à la résignation et au courage. La récompense sera plus magnifique que l'affliction n'est pénible. Mais cette récompense, il faut la mériter. Et c'est pour cela que la vie est pleine de tribulations. Le militaire que l'on n'envoie pas au feu n'est pas content, parce que le repos du camp ne lui procure pas d'avancement. Soyez donc comme le militaire, et ne souhaitez pas un repos dans lequel s'énerverait votre corps et s'engourdirait votre âme. Soyez satisfait quand Dieu vous envoie la lutte. Cette lutte, ce n'est pas le feu de la bataille, mais les amertumes de la vie, où il faut quelquefois plus de courage que dans un combat sanglant. Car tel qui restera ferme devant l'ennemi fléchira sous l'étreinte d'une peine morale. L'homme n'a point de récompense pour cette sorte de courage, mais Dieu lui réserve des couronnes et une place glorieuse. Quand il vous arrive un sujet de peine ou de contrariété, tâchez de prendre le dessus. Et quand vous serez parvenu à maîtriser les élans de l'impatience, de la colère ou du désespoir, dites-vous avec une juste satisfaction « J'ai été le plus fort ». Bienheureux les affligés peut donc se traduire ainsi. Bienheureux ceux qui ont l'occasion de prouver leur foi, leur fermeté, leur persévérance et leur soumission à la volonté de Dieu, car ils auront au centuple la joie qui leur manque sur la terre, et après le labeur viendra le repos. La Cordère, Le Havre, 1863. Quelle est la différence entre une situation bien vécue et une situation mal vécue? La différence se trouve dans l'acceptation de la situation. Si nous nous refusons à vivre la situation, il y a de fortes chances que cela se passe mal. Par contre, si nous acceptons de vivre pleinement celle-ci, nous allons apprendre énormément sur ce que nous sommes, sur nos différentes capacités à affronter cet inconnu qui se propose à nous, et ainsi nous pouvons apprendre. Sachant que tout est utile dans la vie, tout est apprentissage. Nous pouvons soit stagner en recommençant encore et encore les mêmes choix et aboutir au même résultat, ou bien s'ouvrir à d'autres chemins, d'autres possibilités. Cela nous permettra de gagner en expérience et donc d'apprendre dans différents domaines. Et surtout, d'apprendre ce qu'est notre vraie nature, de comprendre quel est ce point commun entre ces différentes expériences. À quoi sont-elles utiles? Vers quoi nous emmènent-elles? Quelle est cette compréhension? Quel est cet apprentissage que j'ai
à vivre. Si nous restons sur ce point de vue matériel, nous pouvons comprendre certaines de ces situations, mais d'autres peut-être resteront encore en suspens, incomprises pendant un certain temps. Celui qu'il nous faudra pour avoir cette volonté d'aller au-devant de cette expérience, d'y réfléchir et de chercher le sens, car tout est en lien. Avons-nous compris pourquoi nous sommes ici sur Terre? Qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que je dois y faire? Quelle est donc cette règle, cette loi qui régit ma présence ici? Quel est ce point commun à tous les êtres? Nous comprenons qu'il y a donc une utilité à la souffrance. La souffrance est donc l'outil, le moyen d'aller vers Dieu. Car lorsque nous souffrons, qu'est-ce qui se passe? Plus nous souffrons, plus nous ralentissons dans nos occupations ici, et nous allons nous focaliser sur ce qui est important. Et ainsi, nous pouvons donc mieux comprendre le chemin que nous avons à emprunter pour continuer le chemin. Comprendre la souffrance, comprendre comment ne plus recommencer pour souffrir à nouveau. Et parfois, certaines souffrances sont nécessaires car nous sommes très têtus. Parfois, nous nous entêtons encore et encore à travers ces différentes incarnations, c'est-à-dire ces différentes opportunités d'apprendre, de réajuster les choix, de faire de nouvelles expériences pour progresser moralement. Car c'est ce sens moral qu'il faudra identifier, développer, affiner, préciser, mettre en œuvre, activer. Oui, ce sens moral, c'est ce qui nous permettra de connaître Dieu et donc de comprendre ce point commun à toute chose, à tout être, à toutes les situations. Le sens moral, c'est ce qui fait souvent défaut à nos frères pour que la vision s'élargisse, s'affranchisse de la matérialité et offre une nouvelle dimension à la vie. Nous prenons instantanément de la hauteur par rapport à la situation. Nous embrassons une perspective plus large. De là vient une compréhension et peut-être une acceptation de la situation. Certaines souffrances sont inévitables parce que c'est notre condition ici. Dans d'autres mondes, le mal y est moins présent et la souffrance bien moins vive. À nous de choisir ce mode de vie qui nous fera comprendre ce qu'est Dieu. Nous pouvons nous contenter de vivre tels nos frères mineurs, mais nous serons passés à côté de cette belle opportunité de développer notre sens moral et donc de commencer à apprendre un peu plus ce qu'est Dieu.
nous pouvons aujourd'hui nous ouvrir à l'observation, à la réflexion, au bon sens, et constater qu'il y a effectivement une loi, une intelligence qui gouverne ces choses de la vie. Le spiritisme nous invite à avoir cette démarche, à observer, à comprendre, à mettre en application ensuite, à renforcer cet apprentissage pour enfin pouvoir le partager avec nos frères qui cherchent, comme nous, à s'améliorer, à s'élever au-dessus de cette matérialité, à ne plus souffrir. Le spiritisme nous invite donc à progresser sur le chemin et nous facilite cette progression. Il est telle une canne sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour continuer notre chemin. Le chemin de la vie est bien plus facile à emprunter lorsque nous l'acceptons. Et dans notre cheminement, nous comprendrons pourquoi il est important de continuer à avancer et à progresser. Nous finirons par comprendre pourquoi nous sommes ici et ce que nous avons appris, ce que nous avons partagé. Ce moment sera réalisé lorsque nous serons appelés à revenir à la patrie originelle, à ce monde des esprits. Nous comprendrons alors le sens de cette vie passée ici dans la matière. Nous verrons toutes ces opportunités de nous réajuster, d'effacer ces erreurs du passé et de créer un futur plus paisible. Alors, à nous de choisir comment envisager cette vie, comment comprendre la souffrance, comment l'accepter pour qu'elle ne soit plus aussi impactante dans notre vie, qu'elle ne soit plus un frein, mais réellement un moyen d'aller de l'avant. Et tel le voyageur qui connaît sa destination finale, les égratignures qu'il aura au cours de son cheminement n'auront plus prise sur sa détermination à arriver à destination. Prenons le temps de comprendre ce que nous vivons et apprenons à bien vivre chaque instant. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il.